va concéder premier revers de l'équipe de la saison. Comment va le groupe malgré cette défaite? J'ai pas le sentiment que le groupe a mal vécu la défaite, forcément, mentalement, c'est jamais facile. Et c'est agréable de perdre, mais j'ai senti le groupe déterminé, toujours aussi. Autant d'envie dans l'entraînement, ils ont mis les formes, ils ont tout appliqué. Moi, j'ai senti une bonne semaine d'entraînement. Forcément, la défaite, elle était. Il a fallu la digérer rapidement parce qu'on joue le dimanche et on rejoue le vendredi, donc on a un peu moins de récupération que les autres. Mais non, ça va, j'ai le sentiment que les garçons ont retrouvé de la détermination et justement se retrouver autrement que par des défaites que l'on vit ces derniers temps. Vous déplacez à Mont-de-Marsan qui aussi on peut qualifier une bête blessée. Bah, c'est vrai qu'elle réalise des prestations correctes à domicile, mais a beaucoup de mal en ce moment à l'extérieur. J'imagine qu'ils vont vouloir avoir à cœur de se racheter également et que ça va être un gros défi. Oui. Mais bon, nous, le problème c'est qu'on vit une période un peu compliquée. Hein. On vient de vivre deux déplacements à l'extérieur, à Nevers, Biarritz. On a reçu Oyonnax, là on se déplace à Mont-de-Marsan pour avoir trois déplacements, pour une réception d'une équipe qui est pour moi la meilleure. Donc là on fait le don. Il faut l'accepter, il ne faut pas mettre de merde difficile Colombie. Ça fait partie de ce championnat, il est long. C'est le Tour de France, c'est entre les deux. Il y a le plat où beaucoup d'équipes fonctionnent bien et puis après arrive le mois de décembre. Voilà, les blessures, surtout avec les effectifs des équipes les moins riches, où les joueurs ne sont pas doublés partout. Donc, nous, on vit une période compliquée. Donc, il faut faire le dos, il faut l'accepter. Il y aura des jours meilleurs, j'en suis convaincu. On n'a pas perdu notre rugby, on a perdu simplement des hommes. Et on va à Mont-de-Marsan, c'est vrai que c'est une bête blessée, mais à la fois, chez elle, très compliqué à manœuvrer. Mais. On y va avec les fermes intentions qu'on a mis jusqu'à présent, celle de vouloir rivaliser avec ce qui se fait de mieux, avoir cette ambition que l'on a eue jusqu'à présent, même si elle a été un peu dénaturée par ces derniers résultats. Mais voilà, il faut pas lâcher. Je crois qu'on y va avec la même volonté, celle de vouloir gagner tout simplement, et se rattraper des points qu'on a perdus. Et si on peut le faire, on le fera parce que. Voilà, c'est la meilleure façon d'oublier ce match au Lyonnais, ce week-end dernier. Merci Christian et bon déplacement. Merci.